Pas facile. Ben oui, c'est vrai que on la voit de temps en temps participer à ces nationaux. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'année passée ou il y a 2 ans, elle avait gagné à l'international d'Ajaccio. C'est ça. Et donc on sait que Cindy Perrault, c'est une des meilleures tireuses du monde. Mais on va employer le mot de neutre. Alors du coup, c'est tout simplement un des meilleurs tireurs du monde. Et Oui, voilà. c'est ça. Donc on va certainement en avoir la démonstration, mais ils ont fort à faire, hein, parce que en face, comme ils viennent de le démontrer à l'instant, Romain Cazeneuve, il y a du lourd, hein, avec ces trois jeunes gens là qui viennent disposer du bois Et au et final. Hoffmann, hein, en quart de finale. Et puis Vincent Michelet notamment, c'est un garçon qu'on voit monter en puissance depuis quelques années. Il était en équipe de France junior. Et puis là, on l'a vu surtout chez nous monter en puissance, hein, puisque l'an dernier, il était en demi-finale du National de Martigues. Et cette année, il était en finale. Ouais, donc là, il va y avoir une très belle opposition. Hein. Et voilà, ça c'est une très belle entame de Romain Cazeneuve. Alors ce jeune homme, lui, il est au club de Lasbordes dans la Haute-Garonne. Et puis il a été finaliste du National de Fenouillet l'an dernier. Et il était aussi au sein de l'équipe Taureau, dans laquelle il a brillé au tir de précision. Le tir de précision, on voit que. Il a la technique pour le pratiquer. Vous l'avez vu, ce carreau et ce recul. Donc la marche est déjà haute pour cette belle équipe de Franck Polo, Cindy Perrault et Marcel Laborde. Je pense qu'on peut avoir une belle demi-finale, Gilles. Effectivement, bah, on a vu déjà sur les premières boules là. Il n'y a pas eu de temps mort, ni de round d'observation. Hein. On est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Ça fait plaisir de voir Perrault Laborde et Polo sur un jeu, hein, parce qu'on a plutôt l'habitude de les voir à sur un la plateau de télévision. télévision, hein, dans l'équipe de Polo. Et le Alors. terrain vous le montre. Tiens, à nouveau, regardez à quel point il est piégeux et un petit peu compliqué parfois à utiliser. Donc Franck Polo avait bien repris. Et c'est cadré, C'est hein. cadré, Il y a ah trois ouais. points au sol pour les Noirs. Et 3 points et 3 boules en main. Alors, que fait-on? Continue à pointer. Je vais présenter Vincent Michelet, Romain Cazeneuve, on va dire un mot évidemment aussi de leur partenaire Romain Belmonte. Lui il m'a dit moi j'ai aucun palmarès. J'ai Bah, répondu, il est en train tu es d'écrire. demi-finaliste de Pézenas. Voilà. Ça sera sa première ligne apparemment. Une ligne brillante. Ah, cette fois, il l'a perdu. Mais enfin, de toute façon. Alors Vincent Michelet, il connaît ces terrains, il connaît Pézenas puisqu'il a été finaliste en 2018 de ce même national. Ah oui, parce qu'à le voir. À l'époque avec l'équipe de France junior. D'accord, ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que à le voir, il est jeune, donc 4 ans en arrière, on peut dire qu'il était au berceau quand même, mais c'est bien joué, Cindy, si la boule s'arrête, c'est le cas. Déjà, il va tirer pour le point, Vincent Michelet. Encore ça. C'est Et coincé. certainement ça lui permet d'être en ça lui permet d'avoir ses boules en troisième et quatrième position. Donc
Si Romain Belmonte venait à frapper double, il aurait une très jolie main. De Christian Angelin-Sienno qui ouvre le score pour mener 2-0 face à la formation de l'équipe de France Espoir. Voilà, mais pour voir la main, il va déjà falloir qu'il frappe celle-là. Déjà là, ouais, défendre le point. Donc lui qui normalement est le pointeur de cette équipe. Le pointeur qui frappe des boules. Je pense qu'il va les frapper, bien sûr, oui. La boule de Polo, elle fait 2 ou 3, peut-être même plus, s'il a le bonheur de cadrer. Oh, ça sera 4 points. Ouais. 6 tirs, 6 frappes, ça démarre très très fort du côté de ces jeunes, de ces jeunes, j'allais dire toulousains, mais ils sont tous un peu toulousains. Alors Romain Belmonte, lui, il m'a dit qu'il était licencié à Valras Méditerranée. Et il m'a dit c'est très important de dire Méditerranée. Et en tout cas, voilà, il vient de démontrer d'emblée qu'il va falloir très très bien jouer pour disposer d'eux. Hein.